Salut à tous et à toutes, c'est Zeta 135, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va vraiment très très bien et donc on est sur World of Warship. Donc aujourd'hui je vous présente le Omaha, voilà, désolé j'ai eu un petit trou. Le Omaha, donc un magnifique bateau, hein. Bon, enfin j'aime bien ce double canon qui est vachement serré, c'est vachement bien. Donc le Omaha, un bon petit croiseur de tier 5 sur World of Warship. Donc vous voyez un bon bestiau, assez bien armé au niveau de ça. Vous verrez que... Bon attendez, on regarde un petit peu de qu'est-ce qu'il y a dans les bateaux. Hein. Atlanta. Donc vous voyez New York, New Mexico, Colorado. Voilà, l'Iowa. Le Missouri hein, est un classe Iowa. Donc c'est avec l'Omaha, donc la classe Omaha des... Donc c'est américain. Là, c'est celui-là. Et donc voilà. Pour aller sur le Des Moines. Les Russes, bien sûr, toujours que deux nations. Et donc voilà, bon. Alors attendez, parce que il faut que je regarde ça quand même. Et oui, et. D'accord, il est en train de récupérer son XP, d'accord, je vois. Donc voilà, donc on va partir tout de suite en partie, donc Ellipse. Eh bien, re tout le monde, voilà, donc je suis disponible, c'est bon. Voilà, donc vous voyez quand même, hein, il a énormément de tourelles. Hein. Je ne sais plus si celui-là est full ou pas, hein. Je ne sais plus si je l'ai monté ou pas, ça fait un petit moment que j'avais pas joué à World of Warship. Donc vous voyez, hein, il est assez bien monté on va dire. Vous pouvez très très bien attaquer de face. Donc c'est vraiment un très très gros avantage de la part d'un Omaha parce que l'attaque de face peut vraiment vous sauver la vie. Hein. Ça autant qu'on se le dise, ça peut... vachement être utile lors d'une attaque, c'est être de face et pouvoir lâcher quand même un 5 obus, un 5 canons, c'est vraiment extra. Oh, pardonnez-moi, je suis un peu malade, hein, donc je tourne toutes mes vidéos le week-end, hein, donc ça, certains d'entre vous le savent déjà. Enfin, certains normalement vous... Ouah, ça fait un sale bruit quand même, hein. Ah dommage, j'ai pas fait comme il fallait. C'est un quoi? C'est un Omaha aussi. Il faudrait tirer plus en avant. Voilà. Donc... Wow, ça me tire sur moi ça. Ça devait m'être destiné. Alors, bien sûr, je ne pars pas là, je ne vais pas au... attaquer le Omaha. Hein, donc, je vais pas lâcher de torpilles pour le moment. Parce que si là, je lâche des torpilles, c'est l'erreur de tir allié comme... Là, on vient de voir notre gentil allié qui vient d'esquiver soigneusement un autre tir. Si on peut avoir évité ce genre de petit défaut là, ce serait bien. Ce serait des défauts de coordination. Oh bah je l'ai eu. Oh magnifique. Donc j'ai fait premier sang, je l'ai touché à la citadelle et on va le détruire lui là. Oh non, il me fait mal. Oh vache, il m'a fait mais... Ils m'ont tout endommagé. Tout. Wow, c'est passé de juste, hein, quand même. Donc voilà, là, on va essayer de les attaquer de face, hein, parce que si on veut survivre, ça va se passer comme ça. Non, en fait, je pourrais pas les attaquer de face. Non, il m'a eu la... Donc voilà, vous voyez comment on peut... Comment on peut gérer son navire ici. Donc voilà, on va... droit sur eux. Hein. Our team has taken the lead. Ouf, il m'a fait tellement mal. Mes alliés sont où là? Oh, je suis en train d'encaisser là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et putain, mais lui, il va rentrer con lui. Eh, destroyer, t'es pas censé être là. Hein. Oui parce que si vous jouez destroyer, hein, vous êtes déjà comme son nom l'indique, vous êtes censé être devant.
parce que je prends des dégâts de sa part. Je suis sûr que j'ai un incendie, ça doit être de sa faute. Allez, répare. Que je tire, enfin non tout ce que je tire mais parce que j'en tire pas beaucoup, mais ouf, il y a un machin qui a pistonné à ce que je veux voir. Ils y vont pas de ma mort les mecs entre eux. On connaît le mot de pas de quartier, mais avec comme ça. Ouf. Oh ça va faire mal. Non, tout est trop derrière. Ouf, il m'a fait horriblement mal. Donc là, on est sûr que je vais mourir, d'accord? C'est les dures lois du marché, les amis, hein, voilà, donc... C'est la mort. Peut-être qu'avec un peu de chance, mes torpilles vont passer, hein. Donc voilà. Hop, bon ben voilà, je vais... faire une ellipse, le temps de revenir au garage. Re, les amis, voilà, donc on est revenu au garage, donc... On a pas, vous avez pas loupé grand chose, hein. La fin de la partie a été désastreuse. Et donc, bah, vous avez pu voir les capacités de ce navire, hein, quand même, qui est très très bien, très très bon, hein, je trouve. Et donc voilà, déjà je voulais regarder voilà, les éléments. Regardez, voilà. Il est ça, il manque les dernières tourelles. Voilà quoi. On essaiera d'avoir le Cleveland pour la prochaine fois. Hein. On va voir quand est-ce qu'on pourra l'avoir. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et pourquoi je crois que j'ai fait une connerie d'acheter ce truc là. Mmh. Ouais bon, à part que c'est plus lent, ça donne quoi de plus? 3100, et là ça donne 3100. Ok, donc ça ne servait pas à grand chose hein. Ouais, donc voilà, voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à venir voir sur Twitter, à faire tout ce que vous voulez, hein. Donc voilà, je... N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, tout ça. Voilà, hein. Allez, ciao ciao tout le monde.